Eh bien bonjour, donc le deuxième épisode de notre série jouons à Minecraft au Moyen-Âge. Bon, on a passé une nuit bien turbulente. Les zombies ont fait un boucan d'enfer en voulant claquer des portes. Du coup. Ils ont tué tous les villageois. Il n'y a plus aucun villageois. Ah, mais ça m'arrange pas du tout, ça. Ça m'arrange pas du tout. Il n'y en a plus un. Ah zut. Se les démonter. Bon, j'avais quand même pris un peu de temps pour éclairer un peu. Fâcheux contre-temps, fâcheux contre-temps. Je sais pas comment dans ces cas-là comment faire. Ce qui se passe, pourquoi? Ils n'ont pas touché aux animaux domestiques, mais ils ont tué tous les villageois. J'ai donc un village mort. Ah là 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 là. Bon, sinon aujourd'hui on avait prévu de commencer à préparer la motte. Donc contrairement au premier épisode où j'ai parlé de motte féodale, normalement c'est une motte castrale. Mais je voulais faire de l'intendance avant, c'est-à-dire vraiment bien situé en hauteur et tout. Donc aller miner pour pouvoir récupérer des minerais. On va donc se faire ça. Voilà, ma maison est là, à la mine, on va la faire partir de là. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs manières de miner. Bon, il faudrait que je me fasse une pelle. Zut. Je vais en profiter que je suis encore là. Oups. Quand j'enregistre, j'ai des coups de lag. Hop. Sur 4 de haut, ça sera confortable. Bon, bah, je vais pas vous montrer toute la descente. Donc, je descends à. Je suis à combien là? 74. Je vais descendre au moins à 50. Donc, de 25 blocs. Je vais faire un petit minage
semi-optimisé, que je trouve plus moins dangereux que d'aller faire du minage, de la recherche dans une grotte, hein, avec tous les mobs. Je ne suis pas encore super prêt. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà la fin de enfin, j'ai plus de pioche, hein, donc j'arrête le minage. Au niveau Y50, l'altitude 50, le rendement est quand même pas terrible. J'ai presque 8 stacks de pierre, 1,5 de terre, un peu de gravier, j'ai 2 charbons et 17 minerais de fer. C'est assez faible. Par contre, j'ai trouvé un petit lac de lave. Donc je pense que bon, j'avais préparé un petit minage bon, moyennement optimisé puisque là, sur un seul étage. Classique, tous les deux blocs. Et je pense que je ne vais pas aller plus loin. C'est là. Je vais pas aller plus loin à cet étage-là parce que ça vaut pas le coup et je vais descendre plus bas pour faire je me souviens plus comment on fait pour. Je vais remonter, j'avais commencé à mettre des escaliers, je vais remettre. Je fasse. Il m'énerve ce truc. Un petit bâtiment. Alors, quelle heure il est? Où est le soleil? Bon, bah, ça va se coucher. Alors, il va me falloir du bois et. J'en ai marre de tout le temps louper mon escalier. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais me faire une hache. Ouais, ok, j'ai plus de bois. On va déjà faire cuire le minerai de fer. Et on va aller s'occuper de notre motte hein, qui va être ici. On va commencer un peu à la dégager. Il me faut du bois. Le premier, on le fait à la main.
Ouais, pas avec des graviers. Avec de la pierre, ça serait mieux. Hop. Pas eu de... Voilà, le problème c'est que je change de biome. Je dois être en... Voilà, je suis en taïga. Et donc ça doit être des épicéas, un truc comme ça. T'es petit lui. Ah, puis il avait de la neige. Alors on va se refaire une forêt ailleurs, parce que de toute façon il va nous falloir énormément de bois, vu que notre château sur notre motte castrale va être en... va être en bois. Les palissades, tout ça, tout va être en bois. Donc, mais on va faire une forêt plus bas, pas sur la motte. La motte, il faut qu'elle soit dégagée. Finir ça pop, pop, hors caméra. Il est costaud celui-là. Ça c'est marrant. J'ai réussi à le choper. On va faire tout ça tac, hors caméra et puis ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors heureusement j'ai pas filmé parce que pendant la nuit j'ai été faire le cagou dehors et je me suis fait massacrer par les zombies. Ils doivent avoir fini de griller les cochons. Du moins les zombies. Bon, la motte est bien bien nettoyée. Du coup, j'avais perdu tout mon staff. Je me suis retrouvé mon point de départ du départ. Et il a fallu que je retraverse tous les... une paire de taïgas et tout ça. Heureusement, quand je suis arrivé, j'ai récupéré quasi tout mon stuff. Bon. Ah, tiens. Il y a eu de la bagarre, là. Bon. On va quitter... Alors, du coup, je me suis fait un équipement complet. Doit être beau. Oui, très beau. Et j'ai des cisailles, donc je vais aller me faire un lit. Il faut que je me trouve un mouton. J'ai des cochons. Et pas de mouton. On va continuer d'aller bosser. Alors, une poule de vache.
Est-ce qu'il faut qu'on finisse d'enlever tous les arbres de notre motte. Ensuite, la suite des opérations, ça va être de faire un fossé. C'est marrant ça. Tout autour de la motte où il va y avoir le donjon et de la basse-cour, puisque ça va se séparer en fait en deux cours, une haute cour et une basse-cour. Et ensuite, on fera la palissade. On a quand même pas mal d'arbres, une forêt là, une là. On va pouvoir se faire quand même suffisamment de bois pour tout ça. Bon, ben, on s'en va couper des arbres. Bon, ben, une nouvelle nuit passée à l'abri. Comme je n'ai toujours pas de lit, je suis obligé de me cacher. Entends les bestioles. Ah, sale bête. Enfin, je suis obligé, je pourrais aller leur taper sur la tronche, mais en plus, là, comme il pleut, la lumière va peut-être pas être suffisante pour les. Quoique les araignées, je crois que j'ai lu que quand est le jour, elles n'étaient pas agressives. Alors, bon, bah dès que c'est bon, on va aller s'occuper du fossé. Et d'ailleurs, elle est partie. Hop. Ce qui me fait du fil. Ce qui me fait du fil. J'ai pas deux fils, j'en ai qu'un. Ah, j'ai cru qu'il y avait un fil et un œil. Alors, entre-temps, j'ai quand même été regarder dans le wiki pour les PNJ. Et alors, si on arrive à capturer un zombie villageois, on peut le guérir. Et se récupérer donc un villageois. Il faut bon, il faut se lancer dans les potions. Et il faut une pomme d'or. Enfin, faut du. Mais bon, ça sera possible quoi. Normalement, pour mon château, sur ma motte, je dois avoir une base d'au moins 10 sur 10. Hop, 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 hop. Ici neige à la totale. Alors je me suis pris si bon trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah ouais, là ça va pas. C'est plus par ici que je dois la faire alors. La visibilité, elle est à chier. Donc là, ça ne va pas. Alors on est. Ça ne va pas du tout aujourd'hui. Donc là, on est à la limite plus neige. Hein. On voit où le biome. Alors là, mon château va clairement être. Alors, le truc, c'est que. Bon, bah là, va falloir des falaises de terre, hein, de bouse, c'est pas très très réaliste. Et bon, comme je cherche un petit poil de réalisme, alors on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'étais trop loin, si c'est 11, c'est pas grave. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. C'est juste pour avoir une petite idée. Ouais.
Donc ça veut dire que là, coupe, on doit descendre. Et notre motte, il n'y aura pas besoin de trop la surélever. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il fait un temps de merde. Ce qui est sûr, c'est que suis en train de réfléchir, encore il va falloir couper des arbres là. Je vais faire le fossé juste en bas de la pente. Alors ben, on va ébaucher ça ensemble. Je ferai peut-être pas tout le fossé en ligne. Sacrée descente là. Ouais, ça va moyen tout ça. Hein. Donc le principe, je me fais encore avoir avec ça. Le principe, c'était que les fossés, ce qu'on enlevait des fossés servait à faire la motte. Mais là, en fait, je suis encore trop près. Exagéré quand même. J'ai des lacs avec le temps et ma petite machine de rien du tout. Hein. Bon, bah, ça va être assez long. Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur le principe. Non, mais hey, le zombie là. Tu te crois où? On n'est pas chez Mémé là. En fait, le fossé doit être à la base de la motte. Hein. Donc, il faut que je trouve. C'est pas vrai. Eh bien, Bob. Oh, tiens, prends ça. C'est pas vrai qu'il m'a mis un coup. Enfoiré. Donc, À la limite, le fossé doit être au plus bas. Ah ben, mets-toi carrément en feu. Eux, ils commencent un peu à m'énerver, ces zombies. Hein. Ça doit être parce qu'il y a vraiment une lumière de merde. Oh, j'ai pété. Donc je pense que le fossé par exemple va être ici. Et après il pourrait partir par là.
Oh là. Oui, joli. Bon, bah, faut c'est naturel, hein. Terminer l'épisode ici. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher une hache? La motte, elle va être impressionnante quand même, tout de même, hein, parce que. Alors, je revois mon repère de château. Et je suis parti là-bas, la crevasse est là-bas. Je vais revenir après ici. Oui. Autant utiliser tous les moyens naturels hein, qui sont le lag ou pas. Va se méfier. Donc cette fosse là, elle est superbe, cette crevasse. Et là, si elle se termine. Dans le coin. Bon ben, le fossé, il va venir par ici. C'est éclairé, ah oui, c'est éclairé par la lave. Pas que je parte trop loin du village quand même. J'ai l'impression que c'est la nuit. Enfin, c'est une horreur. Bon, vous voyez le principe, il n'y a plus qu'à. On va donc se laisser là, sous un ton formidable. Et puis se dire à la prochaine pour le prochain épisode.